Yo Amy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, on va faire notre The Kyrie 78. Aujourd'hui, on va aller à KFC. Alors ouais, ça fait un peu bizarre de parler comme ça en même temps que je conduis. On va tester KFC, première fois pour moi. Première fois, la Réunion en plus. On va voir, on va tester, on va goûter tout ça. Donc on va aller à KFC, on va aller récupérer un petit peu la commande. Je sais même pas si on va filmer l'intérieur, mais bon. En tout cas, vous allez voir la dégustation, vous allez voir un petit peu ce que j'ai comme ressenti, on va dire. Bon voilà, on se retrouve à KFC. Ouais, de commande. Alors oui, on va éviter de la faire tomber. Bon, on va rentrer, on va préparer le situp pour déguster tout ça. On a eu tout ce qu'on voulait. On a été pas mal déçus de pas mal de choses. On va parler de ça en mangeant. Vous n'allez pas être déçus. Bon, on y va. On est à la maison. On a la liste juste ici. D'abord, avant de goûter, parce que c'est vrai qu'avec ma copine, du coup, on a un petit peu tâté le terrain. On est parti voir un petit peu. Je veux pas vous cacher le KFC de la possession. Là, les Réunionnais qui me regardent là. J'ai envie de savoir un petit peu dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Parce que pour être franc avec vous, la meuf, elle était fatiguée. Mais laissez-moi dormir, elle était fatiguée. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait de l'hésitation sur les commandes. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que la dernière fois avec les potes, on était parti à BK. J'étais avec la commande 999. Je me suis dit, let's go, ça va partir en 1001. Non, c'est reparti par 1. Je suis déçu. Mais là, on a la commande 1601. Bon, ils font 16,01. Mais pas grave. Qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un menu Boxmaster Or. Or, ça s'appelle comme ça? Ah, original. C'est le wrap. On a pris 10 tenders, des popcorn chicken aussi. On a pris un menu tower original aussi. Normal tower. Un crusty mozzarella. C'était des petites boules. Ah, crusty mozzarella. J'ai payé, mais je sais même pas ce qu'il y a. Crusty mozzarella, on en a 10. Et un colonel burger. Un colonel burger, et ça, c'était moi. Oui, moi, c'était le menu tower. Bon, je vais tout tester, mais elle est déjà en train de picorer. On teste par les petits trucs, et après, on finit par les burgers. Et les tenders, qui est le grand classique dans la logique, c'est les tenders. Moi, je dis, vas-y, passe les frites, là. Parce que j'ai encore dans la tête le goût des frites. Merci. Des frites BK. Oh, par contre, c'est stylé. Hein. J'aime beaucoup. On est un peu déçu vu qu'on a pris à emporter. On n'a pas le bucket de KFC. On n'est que dans des sachets, là. C'est dommage. C'est des frites congelées, ça. C'est horrible. T'aimes? Non. D'accord. Ouais, bof, je vais être honnête avec vous, hein. Les frites de BK sont mieux. Les frites de McDo aussi. C'est ce qui ressemble le plus, c'est les frites de McDo, ils sont largement mieux. Là, on dirait juste une frite molle. Les frites que t'as à la fin, où le goût est pas extraordinaire. Ça, mais dans tout le paquet. Bon, bah, finalement, pas terrible les frites. Hein. Tenez. J'adore parce qu'en fait, je pourrais le mettre sur le côté, mais elle va picorer dedans, donc. Je peux pas le dire. Tenders, on va garder à la fin, vu que c'est le spécial. Eh, vas-y, passe-moi les popcorn chicken. Je sais qu'il y a une pote qui m'avait dit. Les trucs au mozza, les crusty mozza, ils étaient très très bons. Ça, c'est les popcorn chicken, du coup. Elle a dit aussi que ça, c'était bon. T'as goûté? Je sais pas quoi en brandir, en fait. Heureusement, ils ont pas mis le crusty dedans, parce que c'est mou. Ça fond, tu vois, ça, en fait... Ça fond de ouf. Par contre, les épices sont bons. Je dis pas que c'est pas bon, mais juste, quand t'as un panache autour, je me suis dit que c'est peut-être croustillant au final, mais non. Bah, pas terrible, hein. Mais assaisonnement, bien fait. Très très bon. Première fois que je fais ça, il y a mon père en plus derrière qui est en train de se foutre de ma gueule un peu. Je te demande pardon. On va dire le mozza. Allez, le mozza. Un petit peu de fromage, là. Ça doit être bon, hein, parce que... On prenait quoi en fromage avec BK? Ah oui, les chili cheese avec le piment dedans, c'est vrai. Ça, c'est masterclass, ça. Oh, déjà, au toucher, tu sens que c'est croustillant. Oh. Oh, ah ouais. Ça, tu vas aimer, ça. Ça, c'est bon, ça. C'est toi qui as choisi? Ah ouais, ben ça, tu vas aimer, là. On a combien? Il y en a 10. Je mange 5 tout de suite. 2-3? On est con. 3, ce serait... C'est même pas pair, quoi, le poulet, popcorn chicken. Ouais, en train de goûter, là, c'est bon aussi. C'est bon, mais c'est mou. Mais l'assaisonnement est là. Après, on apprend à porter. C'est vrai, mais ça, c'est croustillant. Et il y a du fromage dedans. Bon, on a dégagé un petit peu tout. On a, pour le tower, le colonel, bien évidemment.
Que au chicken, hein. Il n'y a pas de bœuf, quoi que ce soit. C'est que chicken. Et on a le wrap. Le wrap qui a l'air très, très good. Alors, j'ai critiqué tout à l'heure par rapport au truc. On en a discuté un petit peu tous les trois avec le padre ici. C'est vrai que transporter, bon, il peut avoir des trucs qui ramollissent, mais j'en ai même pas pris 30 minutes. C'est rapide quand même pour ramollir. Regardez, il y a l'ouverture et tout qui est stylé. Là, il y a un truc d'ouverture. Là, on dirait qu'il y a des pliures. Tout cela. Là aussi, ça s'ouvre. Enfin, déjà, il y a presque tout le titre qui part. Il y a déjà tout le titre qui part. Oh, il est petit. Ça, c'est galette de pommes de terre. Je réfère à elle parce qu'elle connaît plus de choses que moi là-dessus. Il y a une sauce aussi dedans. Je sais pas c'est quoi. Bon, pas plus de patience. Galette de pommes de terre, en fait, c'est pas du tout une galette de pommes de terre, c'est un poulet. Mais ça, là, ça c'est un poulet, ça. Non, ça c'est la galette de pommes de terre. En fait, j'ai tapé un croc dans le poulet au lieu de la galette. J'ai le droit? Oui, j'ai l'autorisation. Ah là, oui. En fait, j'ai eu, première bouchée, j'ai eu que tomate poulet, salade, même pas de sauce. Ou peut-être un petit peu. Mais tout à gauche, en fait, bah pour vous, c'est à droite, je sais pas. Mais en gros, ici, il y avait la galette, le poulet, la sauce, salade. Et ici, il y avait tomate, poulet. J'ai pas eu la galette. Mais par contre, tu vas te régaler pour ce qui reste. Ah, par contre, c'est épicé. Très épicé. On dirait qu'il y a du piment. Mais c'est les épices. Genre, c'est très poivré. Voilà, ça, je vous le dis. Très poivré. On va tester mon tower. Alors, le tower, de toute façon, c'est que du chicken, donc je pense que c'est un poulet pané. Comme pour l'autre aussi. C'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a pas de tomate. Ah oui, le colonel tomate. Colonel, il y a des tomates, donc légumes, plus sains. Et on a une autre forme de plus sain, c'est que le tower, en fait, c'est des galettes de pommes de terre. Elle m'a dit ça avec des, on dirait des oignons crispy. Ah non, pas du tout, c'est pourri. Mais j'ai vu des petits bouts. En fait, c'est des petits bouts de panure. Donc du coup, en fait, la différence, c'est juste la galette de pommes de terre. Ça nous transit. Donc comme on peut voir, je sais pas si je vais réussir à montrer. Là on a la galette de pommes de terre. Et on a le poulet. Oh, le poulet il fait pitié. Et je sais que c'est pas pareil que la pub ma patati patata, mais le truc il fait pitié. Genre là on a plus rien là. C'est du pain sec. Pas à l'envers. Et let's go. Oh. Ah ouais. Oh. Excusez-moi, mais en termes de burger, pour le coup, là, ça gagne. Pour être franc, hein, ça gagne largement. Je suis fan de Whopper et BK et tout, mais j'ai jamais pris poulet, moi, à BK. C'est vrai, il faudrait que je teste, moi, les burgers poulet à BK. Parce que là, c'est vraiment une tuerie au poulet. Je prends que du bœuf, mais là... Ouais, c'est très, très bon. Très, très, très bon. Je le mets sur le côté parce que c'est à moi, mais tu vas goûter. Prochaine fois, il faudrait tester Spicy. Mais pour le prix... Ah ouais, parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais on a pris quoi, 6 trucs différents, dont 2 menus. Et on est quand même à 56 euros. Je te demande pardon. Donc, pour ce que c'est, il y a pas mal de choses. Si vous prenez ça, c'est vraiment sur place. Parce que si vous ne voulez pas manger des trucs mous, pour 56 euros, c'est pas ouf. Vraiment pas ouf. Mais je veux bien savoir s'il y en a, ils sont déjà allés pour savoir un petit peu. Là, si y a l'expérience que vous avez. Maintenant, on va tester le colonel. Colonel original. J'ai oublié, on n'avait pas les sauces. Oui. Alors oui, au début, quand on y allait, il y avait une pancarte avec écrit les sauces qu'il n'y avait plus. Il n'y avait plus, je crois, curry balsamique pour la salade, on suppose. Il n'y avait plus glace ultimate. On n'a pas pris de dessert, malheureusement, parce que avec le trajet et tout, on s'est dit, bon, quitte, on va pas prendre. Ouais, les glaces ont l'air très bons. Sunday et tout, ils ont l'air très bons. Mais l'ultimate, ça aurait été le maxi... truc délicieux. Donc on a commandé les sauces, ils ont dit les sauces qu'il n'y avait pas, on n'a pas eu les sauces. On avait pris juste mayonnaise, mais on n'a pas eu les sauces. Pas grave, hein. Pas grave. On mange les trucs secs, tender, ça fait pitié quand même. On va peut-être utiliser bon, du coup, ce qu'on a. Bon, go tester le colonel original. Le original. Le tien aussi, d'ailleurs. Attends, Jaya, ils sont où tes tomates? Non, pour de vrai, ils sont où tes tomates?
Parce que c'est la même chose, juste avec des tomates. Ils ont mis une tranche de tomate, c'est bon. Ah bon, ceux qui aiment pas la tomate, là, vous avez une tranche au centre, c'est fini. C'est tout ce que vous avez. Petite galette en dessous? Non, poulet. Bon, bah c'est juste poulet, c'est le même, mais avec une tomate et sans galette. La sauce est différente. Oh mais c'est... Ah, pour tester les deux, bien évidemment je préfère l'autre. Mais celui-là, il a l'air plus léger, entre guillemets. Bien évidemment, il est pas si léger que ça. Mais je veux dire, il y a plus de fraîcheur quoi. Tomate, salade, et voilà. Et la galette c'est un peu un truc un peu pané, donc je suppose que c'est dans l'huile. Et tu sens que c'est fat. Mais là, effectivement, en vrai ça va. Est-ce que j'ai vraiment tapé un creux dans la tomate? Pas du tout, mais ça a l'air plus frais, parce que je pense que j'ai eu le jus de la tomate, et c'est plutôt bon. Sinon, votre avis sur le wrap? Très bon, très très bon. La sauce est forte. Ouais, la sauce est très très forte. Okay. On va passer aux tenders. Nous voilà pour déjà les boissons, parce que c'est vrai qu'il y a les tenders juste ici, et c'est très lourd. Il y en a 10, et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas le bucket, je suis très déçu, c'est dommage. Mais très lourds et ils sont magnifiques. Je veux juste dire, par rapport à la boisson, on a eu pas de chance parce qu'ils ont ouvert ce matin apparemment et la machine était niquée par rapport au froid. Donc il y a eu les dépanneurs qui sont venus. Et ils ont dit, bah, si vous voulez pas que. Vous voulez pas les boissons, si vous voulez, on vous offre. Pas offrir, on remplace les boissons par de l'eau, l'eau froide. On a fait, non, on va prendre les boissons, on va le mettre au frigo, mais au final, ça n'a pas eu le temps. J'ai pris un Ice Tea, elle a pris un Coca. Ça change rien. ABK, mais j'aime bien les verts. Ice Tea. Quoi. Donc très bon. Bon, je vais pas faire attendre plus de temps. Tenders, les belles tenders. Tenders. Ils ont pas l'air croustillants par contre. C'est piégé. Je suis déçu. Non, je suis très déçu. Pour un truc aussi cher ici, je suis très très déçu. Ouais, la chapelure, ça va, mais non. Tu vas pas... On a payé ça combien? Rappelle-moi. Pour juste 10. 10 tenders. 10 tenders 18 euros 18,50€ pour que 10? Et on n'a même pas le bucket? Non. Non, là, McDo, c'est combien ça? Non, parce que... C'est quoi? C'est des wings, McDo? Non, des tenders aussi? Non, parce que pour être franc, tu sais que c'est keg. Deux zones. Ah si, il y a peut-être un morceau là, j'ai bien aimé. J'ai bien... Ah, ça va. Oui, ben on n'a pas eu des sauces à côté. Eh bien. Oula, oh, petit ketchup. Avec la sauce, c'est un peu mieux. Ça vaut pas le prix. Ça vaut pas le prix du tout. Tu veux goûter? Je vais avoir ton avis direct. Tenez. Le Saint Tenders que tout le monde raffole apparemment. Mais je préfère McDo. Ça passe. Mitigé. Ça vaut pas le prix. Ça vaut pas le prix. Ça, c'est non en catégorie, ça vaut pas le prix. Non, c'est trop cher pour ce que c'est. Je pense pas que c'est des poulets pays. Ils auraient fait poulets pays, je pense que ça aurait été mieux. Mais oui, le truc, il est fin. On est d'accord, il est fin. Très très fin. Ah, il est petit là. Elle est en train de décider, elle aime pas les épices. Du coup, quand il y en a pas beaucoup, c'est bon. Mais quand il y en a trop, c'est. Mais ça, comme il dit mon père, c'est mangeable. Ça vaut pas le prix, mais c'est mangeable. C'est pas extraordinaire. Déçu des tenders. On va finir, bien évidemment, mais. Je repartirai pas dans KFC. Peut-être pour tester les spicy, mais juste pour tester les burgers spicy. T'as rien me dit, les glaces aussi. On aurait peut-être testé l'ultimate, mais bon, s'ils sont à court à chaque fois, il y a plus de rapprovisionnement. On a plus le tour, il y a plus rien. Bon, nous retrouvons pour la conclusion. Conclusion de tout ça. Et bah, le seul truc que je retiens, c'est que les tenders, le truc phare de KFC, vraiment, bah, c'est piègue à la rime. 10. C'est petit, c'est très fin. Quand c'est pas chaud, bah forcément on a... Ça vient de pas préparer, c'est le trajet, tout ça, bon oui. Mais juste, même si ça aurait été croustillant à balle, ce qui est dommage en fait, c'est que le prix est tellement élevé que t'as des trucs fins... Je sais pas comment décrire, c'est la première fois que je fais la vidéo comme ça, mais... Ouais, en fait pour moi c'est trop cher les tenders par rapport à ce que c'est. Par contre le wrap était délicieux, pas de soucis, la sauce est un peu trop pauvre, mais c'est délicieux. Si on regarde bien la liste, j'ai adoré le wrap, j'ai adoré le Tower et le Colonel. Ça c'est très très bon, c'est deux burgers parfaits, équilibre parfait, tout est bon. Crusty fromage, un peck. Bon, certes c'était pas coulant le fromage, mais un peck. Popcorn chicken, pas croustillant. Mais un peg aussi, ça va. On prend le fait que c'est pas croustillant, mais le goût est là, il est très bon. C'est pas équilibré, c'est un peu trop d'épices aussi, mais c'est bon. Les frites, je suis désolé, mais en goût, peut-être que c'est molle parce que voilà,
le trajet, mais les frites au goût pas ouf. Pour des fines frites, pas ouf. Bah, les tenders, vous avez eu la vie dès le début, ça vaut pas son prix. Voilà, la réunion, 18,50€ pour 10, juste 10, on a même pas le bucket, c'est pire. Bon bah voilà, on a fait le tour, on a testé tout, nous on va finir de manger. On va déjà bien entamer. Il y a bien de cheveux, il y a plein de choses qui sont parties. Mais pour la vidéo, première vidéo comme ça, j'espère que vous kiffez. Ça fait un peu mal. Au pot de feuille, 56€ pour ça. Bah, tout était bon, mais à part les tenders, quoi. Et c'est les tenders le plus cher, vraiment, dans toute la liste, là. Les tenders font un trou dans le portefeuille, parce que c'est le seul qui est le plus haut et qui vaut même pas la chandelle. Bon, mes biches, j'espère que ça vous aura plu. Première vidéo comme ça. Moi, personnellement, j'aime bien, en vrai, le format comme ça, un petit peu le bar. On l'utilise pas, on met toutes les machines dessus, là, mais pas mal, pas mal. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Elle danse dans la pièce, elle me tend la main dans mes rêves. Sa beauté si violente en vous.